Salut tout le monde, c'est Robin. Ça y est, première vidéo sous la forme de vlog. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par un premier vlog de tennis. En plus, l'occasion se présentait puisque le week-end dernier, on a joué nos premiers matchs universitaires avec l'équipe contre trois universités différentes le long d'un week-end. Dans cette vidéo, du coup, je vais revenir sur les 2-3 entraînements qu'on a pu faire avant ces matchs. On a joué contre trois universités différentes qui évoluent toutes en Détroit. La première, c'était CLU, la deuxième, Occidental College, et la troisième, Whittier University. J'espère que tu vas aimer ce genre de contenu. En tout cas, je te souhaite une très bonne vidéo et je te donne directement rendez-vous sur les cours pour le premier entraînement. Bon voilà, après cet échauffement sans raquette, je te laisse avec les quelques mots du coach et ses consignes pour les matchs de ce week-end, notamment sur notre attitude et comment préparer les matchs. Be ready to play. Eating all of that stuff, right? We're going to play Friday and Saturday. You know, so you want to eat well, right? What? Get the hydration, right? Okay. And now this part's important, right? You got to remember who you represent. If you do anything that causes disrespect to the other players or the coaches, or you lose your head out there slamming balls, they are to default you. I told them, if anybody from Ventura College, right, is doing anything that is disrespectful towards the opponent, towards any coaches, right, if you're doing anything that makes us something look bad, default them. It's not a point penalty. Get them off the court. They will not represent the college. Bon voilà, pas mal de points aujourd'hui à l'entraînement, notamment du double où j'ai joué avec Martin puisque c'est avec lui que je vais jouer ce week-end en double numéro 4. On n'a pas fait un super bon set contre Edgar et Thomas qui eux pour le coup ont vraiment très bien joué tous les deux. Avec Martin, c'est l'une des premières fois où l'on joue ensemble tous les deux et donc dans un premier temps c'est toujours compliqué de s'adapter, trouver ses repères et les premiers automatismes, mais bon, ça va venir. Après ça, on a joué un deuxième set en double avec Martin, puis ensuite le coach nous a lancé sur des super tie-breaks en simple, notamment celui-là où j'ai joué contre Thomas. Je te laisse avec quelques points. C'était assez serré puisque j'ai gagné 11-9 et j'ai lâché ce coup droit à la fin pour finir le match. Ensuite, on a fini l'entraînement par un peu de fractionné sur la piste d'appui. Ça y est, fin de l'entraînement tennis. Là, on va récupérer des tenues pour ce week-end. Say hi to the vlog. Hello vlog. Okay, medium. Thank you. Medium. Medium, so I took them out early. Thanks. Ça y est, fin de cette journée d'entraînement du coup. Un entraînement avec beaucoup de points, notamment du double et du simple. Donc voilà, après l'entraînement, je suis passé à la salle avec Edgar durant une petite heure, on va dire. Et depuis, je suis rentré, j'ai fait des leçons, j'ai pris ma douche et là, j'ai les pattes qui cuisent. Donc voilà, maintenant, je vais me régaler, passer ensuite une bonne nuit et on se retrouve demain directement sur le court avec Martin. Thank you.
On tue ou pas? Ça y est, c'est la fin de journée. Bon petit entraînement avec Martin aujourd'hui. Un bon petit échauffement, quelques gammes. Je t'ai pas mis beaucoup de points parce que, par contre, une fois qu'on s'est mis à jouer des points, c'était plutôt très mauvais. Mais bon, c'est pas grave, ça va être à nous demain de bien jouer. Du coup, voilà, on se retrouve demain matin pour les matchs. Salut tout le monde, ça y est, on est à Ventura du coup. Il est 8h du matin. Bon, pour l'instant, je suis le premier. Ça me rassure pas trop ça. Mais bon, je pense que tout le monde va arriver. Je vais pas vous filmer l'échauffement et tout. Déjà parce que ma caméra, j'ai l'impression qu'elle s'est pas rechargée complètement durant la nuit. Du coup, je préfère la mettre à recharger durant le temps qu'on s'échauffe là avant les matchs. Par contre, bah, j'essaierai de vous filmer l'ensemble des matchs, ou en tout cas avec pas mal de points. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure sur le terrain. Allez, c'est parti, premier match que je te filme aujourd'hui. Donc j'ai joué en tant que joueur numéro 5 contre un joueur de l'université de Whittier, une université qui évolue en division 3 en Californie. Ça a été un match plutôt facile, même si au début j'ai eu du mal à trouver mon rythme. J'ai essayé de me poser, de me forcer à juste faire le moins de fautes possible, parce que lui de son côté en faisait énormément et m'a donné beaucoup de points, et vous allez voir ça après. Je te laisse avec les images. Bon voilà, du coup, victoire 6-3-6-2 en tant que joueur numéro 5. C'était pas le plus grand des matchs, mais c'est un bon match à prendre. Je suis content de cette victoire et de l'en sortir assez facilement. On passe directement du coup au double avec Martin. Le premier double qu'on a joué le samedi, donc notre deuxième double du week-end.
Vous allez le voir, c'était un set en double un peu compliqué pour moi et Martin. On a eu du mal à se mettre dedans, à trouver notre truc. Et on a fait quelques grosses erreurs. Et puis bah, je vous laisse avec les images, mais vous allez le voir, c'est pas un double qui s'est fini de la meilleure des manières. Bon voilà, ce set de double avec Martin touche à sa fin, mais comme je te l'ai dit, c'est pas fini de la meilleure des manières, puisque après le dernier point que tu vas avoir dans cette vidéo et un bon passing de nos adversaires, l'un des joueurs de l'équipe adverse s'est mis à servir et s'est blessé au dos, ils ont préféré abandonner. Après ça, je suis parti aller voir nos coéquipiers jouer en double. Après ça, j'ai commencé du coup mon dernier match du week-end contre le joueur numéro 5 d'Occidental College. Un match un peu à l'image du précédent simple, sans vraiment beaucoup de rythme, mais avec quand même quelques points simples. Thank you.
This one that we're using? Bon voilà, victoire au final 6-2, 4-0, abandon. Mon adversaire avait une douleur aux abdos et a préféré arrêter. Donc comme tu as pu le voir pour moi, 3 victoires sur l'ensemble du week-end, mais en réalité 5. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que au final j'avais pas pu te filmer le premier double et le premier simple que j'avais joué. C'était peut-être les deux meilleurs matchs que j'ai fait ce week-end, notamment le simple où j'ai vraiment très très bien joué et j'ai gagné 6-1, 6-3. Et en double avec Martin, on avait plutôt bien joué également, en étant mené 4-1 et en ayant finalement gagné 6-4. Concernant l'équipe maintenant, c'est vrai qu'on a eu tous des très bons résultats dans l'ensemble, donc c'est vraiment cool. J'ai eu l'impression que le coach était content, et ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment tous ensemble comme une équipe, alors que ça fait en soi qu'un mois qu'on se connaît tous. Donc ça, c'est un gros point positif et c'est vraiment très encourageant pour la suite, nos prochains matchs et surtout la saison qui arrivera le semestre prochain. Après, c'est que le début, il faut encore continuer à être très sérieux, s'entraîner et performer dans les matchs qu'on pourra faire. Donc voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format de vlog t'aura plu. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que t'en as pensé, si t'as trouvé ça bien, s'il y a des choses que tu aurais préféré voir, des choses qui manquaient ou des choses qui justement n'allaient pas. Moi, comme je te l'ai dit, toutes ces vidéos, le fait de filmer, monter, etc., je le fais vraiment par pur plaisir. Et du coup, je prends tous les conseils et les critiques qu'on peut me donner pour essayer de m'améliorer. Donc voilà, si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et partager si t'en as envie. En dessous de ma vidéo, en description, tu trouveras l'ensemble de mes réseaux. Donc n'hésite pas à venir y jeter un œil et à t'abonner. En tout cas, je remercie tous les gens qui le feront. Ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, il est temps pour moi maintenant de te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.